Le Pays-Bas est le pays d'honneur invité à la 6e édition du SARA. Le modèle agricole de ce pays est une source d'inspiration pour la Côte d'Ivoire. On en sait davantage dans ce 7 minutes. À Lakota, le RHDP veut empêcher l'installation du nouveau maire élu. Certains militants du parti au pouvoir menacent de se faire entendre si la décision du Conseil d'État était en faveur du candidat élu. Et puis la Côte d'Ivoire se défend dans l'histoire de migration irrégulière en Italie. Selon le ministre Vagondo Diomandé, les accusations ne reposent que sur les simples déclarations de personnes en situation irrégulière qui ont été enregistrées par les services d'immigration de l'Italie. Voici pour le sommaire de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. C'est l'information du jour. Henriette Dagridiabaté n'est plus la grande chancelière de l'ordre national. Elle cède sa place à Ali Koulibaly, ancien ministre de la République. Au titre de la grande chancellerie de l'ordre national, Monsieur Ali Koulibaly, ancien ministre, est nommé grand chancelier de l'ordre national. Par ailleurs, Madame Henriette Dagridiabaté est nommée grande chancelière honoraire de l'ordre national en reconnaissance de sa grande contribution au rayonnement de l'institution. Henriette Dagridiabaté est nommée grande chancelière honoraire de l'ordre national en reconnaissance de sa grande contribution au rayonnement de l'institution. Le président de la République à travers Abdourahmane Cissé, secrétaire général de la présidence, a exprimé sa gratitude pour sa gestion exemplaire de la grande chancellerie de l'ordre national au cours des 7 dernières années et pour son engagement au service de la nation. D'autres nominations ont été faites, les détails dans nos prochaines éditions. Le choix des Pays-Bas comme pays invité d'honneur est stratégique. C'est une nation agricole où dominent les exploitations agricoles de type familial. Les Pays-Bas parviennent grâce à une productivité et un usage de la technologie à se classer deuxième producteur et exportateur mondial de produits agricoles derrière les États-Unis. C'est une nation d'exception dont le modèle ne peut qu'être une source d'inspiration. En effet, un très grand honneur d'être ici en tant que pays à l'honneur. Ça a été décidé pendant la dernière édition en 2019, quand on était là aussi. Et ça fait depuis des années qu'on travaille, qu'on collabore avec votre pays. Par exemple, dans le domaine du cacao, on est le plus grand importateur de fèves de cacao depuis la Côte d'Ivoire. Et l'autre domaine pour nous, pour la coopération avec la Côte d'Ivoire, c'est l'horticulture, l'horticulture durable et surtout concentré sur la formation et l'incubation des jeunes et des jeunes entrepreneurs dans ce domaine. Les Pays-Bas, c'est une référence mondiale en matière de technologie agricole. Ils ont une célèbre unité, une université qu'on appelle Wageningen. Au sein de cette université-là, il y a de grandes technologies qui sont développées. C'est une grande histoire en matière de production sémencière, développement de matériel végétal, et aussi de races agricoles. La Côte d'Ivoire veut s'imprégner des expériences et innovations du royaume. Le SARA est progressivement devenu l'un des événements incontournables du continent africain dans la mesure où il suscite l'intérêt de chacun. Avec environ 17% du PIB et plus de 60% d'emplois durables en 2022, le secteur agricole est au cœur de la vision du président Alassane Ouattara. Des cacahuètes, de la pâte à tartiner, de la sauce, de l'huile, du miel, voilà les nombreuses dérivées issues de la transformation de l'anacarde. En tout cas, c'est ma première fois de découvrir, mais j'apprécie beaucoup. C'est très beau. Dans ce stand du Conseil du Cotonou de l'anacarde, à l'occasion du SARA 2023, l'enjeu est de montrer aux nombreux visiteurs que l'anacarde est transformée localement. L'anacarde est une belle opportunité de business, de transformation. Le gouvernement s'est lancé déjà dans la transformation, mais aussi il y a des acteurs et le gouvernement a payé des stands pour ces acteurs de la transformation de la noix de cajou ici. Hall 2, vous allez voir produits dérivés et on est très content de pouvoir montrer ce qui est faisable avec cette huile et tous ces produits-là parce que c'est un trésor qui n'est pas encore bien valorisé. La transformation de l'anacarde, cette entreprise en a fait sa principale activité. Pionnière dans le domaine depuis 1980, pour cette chef d'entreprise, la transformation de l'anacarde reste un défi majeur pour l'épanouissement véritable de la filière. Si nous avons réussi la production, le défi de la production,
force est de constater que nous traînons un peu les pas. La Côte d'Ivoire, qui en 2014 n'était qu'à 6% de taux de transformation de sa production, est selon les dernières statistiques de 2022 passée à un taux de transformation avoisinant 22% pour près d'un million de tonnes de noix de cajou. Des performances qui illustrent la volonté de l'État ivoirien d'industrialiser le secteur. Des militants du RHDP se réclamant proches du maire Sami Mery menacent de se faire entendre si la décision du Conseil d'État était en faveur du candidat Prince Arthur Dali dans le cadre du recours déposé contre lui par le candidat du RHDP au municipal. Lors d'une conférence de presse qu'ils ont animée au siège du RHDP de Lakota, par la voix de leur porte-parole Diaby Théi, ils ont expliqué que l'élection municipale a été émaillée de fraude et de beaucoup d'irrégularités. Dénonçant par la même occasion la victoire du nouveau maire élu Prince Arthur Dali, rendu possible selon eux par la complicité de certains membres de la CEI et des autorités présentes dans la ville de Lakota. Vu tout ce que nous avons constaté, nous avons pu constater comme irrégularité dans l'organisation pratiquement de ces élections. Nous avons donc saisi le Conseil d'État par voie de recours. Et le Conseil d'État donc a statué en première instance sur le dossier qui a été jugé recevable. Par la suite, donc, ils vont pouvoir statuer pour donner à la requête une réponse définitive. Nous espérons que d'ici le 5 octobre, nous allons pouvoir avoir les résultats définitifs de cette requête-là. L'intervenant a demandé la reprise des élections dans la commune de Lakota. Diaby Théi a noté qu'ils se feront entendre dans les jours à venir dans les rues de cette localité à travers diverses manifestations. Pour l'heure, il a noté qu'ils sont suspendus aux lèvres des juges du Conseil d'État. Depuis le début du mois de septembre, plusieurs milliers de migrants ont débarqué sur l'île italienne de Lampedusa, à moins de 150 km des côtes tunisiennes, avec parmi eux une forte proportion de ressortissants de Côte d'Ivoire, selon plusieurs organisations internationales et européennes. Une allégation que refute le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. Il a affirmé que ces accusations ne reposent que sur de simples déclarations de personnes en situation irrégulière qui ont été enregistrées par les services d'immigration de l'Italie. Pour rappel, plus de 2500 migrants sont morts ou portés disparus après avoir tenté de traverser la Méditerranée vers l'Europe depuis le début de 2023, a déclaré le 28 septembre une responsable du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. C'est tout pour ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info.